Dites-moi que vous avez trouvé, c'était quoi la surprise? Non, non, c'est pas panaché que je vais vous envoyer par FTP. Dites-moi que vous avez trouvé. Allez, allez, en voyant la photo. Allez. Vous voulez aller en boîte? Allez, on va en boîte. Bon. Apra City OS. Allez les gars, qu'est-ce que Apra City OS vient foutre ici? On parle de Ubuntu, la 16.04. Merde! Bon allez. Allez, on y va. Allez, on y va. Go. Allez, on lance ceci. Je tire ma tête parce que ça va être d'une toute beauté. Une danse du ventre. Je pense qu'il faudrait que je recule au salon pour que vous puissiez le voir dans la webcam. Alors, comme ça ne ressemble à rien. On est bien d'accord. Mais, petit indice, c'est quoi ça, ici, là, où il y a mon curseur de souris? C'est quoi ça? Ça représente quoi? Allez, merde, dites-moi, c'est quoi? Il n'y a pas encore eu une bonne réponse dans le chat. Allez. Allez, si vous suivez l'actu de la 16.04. Allez, allez. Bon, putain, il n'y a même pas une réponse qui arrive, quoi. À part Apra City. Ben non, y a rien, c'est normal, j'attends d'avoir une réponse avant. Un rond. Ah ben oui, mais ça représente quoi? Ça représente quelque chose. Bon, allez. Va falloir que je clique. Alors? Alors, merde, c'est quoi? C'est quoi? Ouais, je vois que vous séchez. Merde, c'est quoi? Allez! Allez! Non, pas Kylin! Non! Non, on est sur Ubuntu CS4, c'est juste l'environnement qui change. C'est quoi cet environnement? Putain, c'est quoi? Non, pas Gnome 2. Bon, un indice. Si je vous dis la distribution Solus OS, c'est quoi l'environnement de Solus OS? Ben oui, maintenant vous allez courir tout sur Google. Ben oui,
hein. Oh, bah ouais, ça. Quoi? Oh, il. Oeil. Bon, allez. Je le dis? Ou j'attends une réponse? Merde! Mais non, c'est pas Enlightenment! Allez! Ah ben merde, franchement, j'aurais cru que... Ou alors ça en a fait... Voilà, je pensais que ça avait fait un petit peu de foin. Pourtant, c'est ce qui me semblait, que pas mal de gens l'attendraient, cet environnement. Il fait toujours pas partie des variantes officielles. En gros, Monsieur Mark Shuttleworth a dit « Ok, ça a l'air intéressant, ça a l'air beau, ça a l'air de tenir la route, ça a l'air d'être fonctionnel, pas trop buggé. Si vous me proposez au moins, je sais plus, c'est une voire deux bêta, je suis prêt à la faire intégrer, à intégrer cette distribution en tant que variante officielle. Et qui dit variante officielle, ça veut dire un support par Canonical. Donc, ils bénéficieront des infrastructures, des développeurs, de tout le bordel. Budgie ! Oh, Budgie ! Je le vois dans le chat. Oui, oui, je vois Budgie dans le chat. Ce n'est pas vrai. Oh, putain, je le vois. Il vient d'apparaître sous mes yeux. Pourtant, j'ai bu, mais... Attends, je regarde. Ouais, c'est ça, Budgie. Ah, Budgie, desktop, nous y sommes. Quand même. Yeah, Budgie desktop. Attention, il casse rien comme ça, mais en deux clics, on peut lui faire casser la baraque. Je vais vous montrer ça après. Première chose, on va faire Terminal. On va utiliser Terminal. Donc, c'est l'OS, c'est Ubuntu, là c'est 0.4. Avec l'environnement Budgie. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Enfin, je m'avance peut-être, j'ai pas testé, j'espère que... Attendez, normalement oui. Voilà, on utilise bien le noyau 4.4, on est d'accord. Hein, donc le dernier noyau intégré à la mouture CS4, qui est un noyau LT... Oui, htop, je vais le faire. Voilà. Ok, et si on en veut un peu plus, vous savez, la fameuse commande qui est... Allez, je vais la taper. Espace slash etc espace lsb tiret willis. Cette commande, c'est celle que je préfère parce qu'elle vous donne l'idée, la willis, le codename et la description. Idée Ubuntu willis 16.04, codename Xenial, description Ubuntu 16.04 lts, mais nous utilisons Budgie desktop ou Budgie environment, je ne sais plus trop, ça avait changé. On va voir si elle fonctionne bien. Sudo apt-get install htop blaturux. Putain, on ferait bien une chanson. Alors, allez, j'ai aucune idée. Si je l'avais déjà testé, j'avais déjà fait un htop avec, enfin, dans SolusOS. Mais ici, c'est pas SolusOS, c'est Ubuntu CS4 avec Budgie, donc je ne sais pas. Allez, dites dans le chat. Je reviens, je vais fermer la porte derrière moi. Et j'attends les réponses. Alors, très joli ce Budgie, j'ai vu un R-Tuto, ouais, je connais les R-Tuto, c'est pas mal en fait, c'est, ouais, ça je vais essayer de m'y mettre au R-Tuto, il n'y a pas longtemps, c'est sublime, putain, je suis fou de gueule, hein. Gnome 3.20, oui, je sais, on peut faire sans le get, mais voilà, je suis... quand on a les habitudes, c'est tenace, hein. Je le sais, à chaque fois que je tape la commande,
Je me dis, je vais pas mettre le get, je le mets. 300, 230, attention, on fait H. Mais putain, je suis encore dans le chat, merde, attendez. 230, j'ai aucune idée. Moi je dirais 300. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas. Oh putain! Voilà, je m'en suis enfilé deux d'un coup là. 475. Je vais garder ma petite liste là. De 475. Eh ben, elle est après KDE. Mais. Oh ouais, mais attendez, je vous envoie ça. Budgie. Budgie Desktop. 477. Oh laquelle. Ouais, mais bon. Encore une fois. Voilà. Je vais encore le dire. Quand on lance un stop comme ça. On voit l'entièreté de l'environnement, ce qu'il utilise. Environnement propre, plus les services lancés en arrière-plan, les tâches. Voilà, maintenant, exemple. Je sais pas moi. Imaginons que Budgie, en réalité, il prend 100 mégas. Mais avec tous les services que les développeurs lui ont foutu au cul au démarrage, ben, il arrive à 477. Donc voilà. Mais ici non, puisque de toute façon c'est Ubuntu, donc le même nombre de services sont lancés et tout. C'est pas comme si je testais Budgie sous Ubuntu et Budgie sous Solus. Ce serait ou je sais pas moi, non, allez, Budgie sous Ubuntu et XFCE sous Mint. Vous voyez? Non, ici on. Voilà. L'OS c'est toujours le 16.04 d'Ubuntu. C'est juste l'environnement qui change, donc les services derrière sont les mêmes lancés, à part s'il y a vraiment des services propres à l'environnement. Bah ouais, on a tous perdu. Voilà, je vous envoie ça. Voilà, donc Gnome 596, Unity 517, KDE 487, Budgie 477, Mate 289, XFCE 221, LXE 146. Alors, moi ce qui m'a fait chier dès le départ, c'est ça. Le menu en blanc, ça me casse les roubignoles. Donc tout de suite je montre. Si on fait un clic droit, ouais, on voit vraiment que c'est sous Ubuntu. Ce qu'on va déjà faire, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est, attendez, on clique là, voyez, on va directement faire ici le petit engrenage. Voilà, général, apparence, thème sombre. Vous allez me dire, bah oui, thème sombre, mais pourtant j'ai le menu en blanc. Attendez, j'essaye. Ok, c'est pas là. Je ne sais plus, je l'ai testé, attendez. Là, là, là. Là. Ah non, c'est panneau peut-être. Attendez, je l'ai fait hier en plus. Voilà, ok, j'y suis. Regardez, putain, ça claque quand même. C'est pas laid, hein. Hein? On va retourner voir comment paramétrer tout ça. Je retourne là, parce que là, voilà. Général, on a apparence, thème sombre, thème par défaut. Si je décoche thème sombre, attendez. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Thème sombre. Ok. Là, j'ai tout décoché. Et on a affaire à quoi, alors? Ok. Oui, ça peut être pas allé non plus, hein. Ouais. Ouais, ça peut être pas allé. C'est rien, attendez, je vais aller voir, faire un peu le tour. Okay.
Voilà, ça va claquer, ça. Allez, encore un. Là, c'est les icônes. Ouais, donc thème d'icône. Ouais. Ouais. Ok. Panneau. Ah, donc là, on parle du panneau ici au-dessus. Ouais. Bon, attendez. Position top, bottom. Oui. Taille. Pas mal. Ombre. C'est léger, mais ouais. Donc je vais l'enlever. Appeler, génial, on va pouvoir travailler sur tous les appelés. Menu Birdie, je peux le faire descendre, regardez. Ah ouais, donc là il y a un espacement, ben moi je vais l'enlever. Comment est-ce que je fais pour l'enlever? Ah ben moins. Et voilà, c'est tout con hein. Là, je peux... Attends un peu. Menu Birdie, engrenage. Ouais, putain, ils sont améliorés depuis l'environnement sous Solus. Show menu label. Ah ouais, menu. Donc là, ben, je choisis ce que je veux. Ouais, c'est pas mal du tout. Il me plaît bien. Compact mode. Ah ça, par contre, je vais voir c'est quoi compact mode. Ah ouais. Génial. Ouais, ça me botte bien. Moi, je sais pas. Il me plaît bien ce petit environnement de bureau là. Il me plaît bien, surtout qu'il est. Ben voilà, tout ce qu'on. Jusqu'à maintenant, j'ai pas trop vu de bug. Alors, compact mode. Je retire. J'ai pas vu la différence là, attendez. Superbe. Ah ben je suis heureux que qui plaise un peu. Moi perso, je le trouve pas. Allez, je vais vous donner les commandes pour l'installer, au moins que vous les auriez. Mais voilà, vous l'installez sur la 16.04, donc vous gardez Unity. Hein. En plus, vous avez celui-là. Donc, attendez, ce que je parle, je suis perdu. Donc, ça peut être pas mal du tout. Panneau, voilà, il faut revenir ici. Même chose là, hop. Icône task list. Ah, regardez, utiliser des icônes larges. Ouais, alors là, il n'y a plus de différence entre l'icône de menu des applications et le reste. Donc ça, c'est cool. Ah, voilà, regardez. Parce que, il y a démarrer, c'est le début en fait, et la fin. Mais je peux mettre au centre aussi. Regardez, je suis au centre là. C'est pas mal fichu, hein. Alors. Espacement. Ah, y a... Tiens, attendez, c'est quoi ça? Mais je m'en fous, moi, de l'espacement, là. Je le vire. Voilà. Zone de notification système. Ah, je peux pas intervenir dedans. Notif, non plus. Indicateur de statut, non plus. Séparateur. Ah. Voilà.
horloge. Ouais. Espacement. Au revoir. Ça me plaît bien. Alors, donc... Et attendez, 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 c'est pas tout. Regardez. Ouais! Magnifique. Alors, imaginez le truc. Attendez. Allez, pas que je me trompe. Panneau de haut, regardez. Quel con. Mais quel con. Oh putain, j'ai tout viré. Ah ben c'est rien. Regardez bien, attendez. Ben c'est rien. On va tout remettre. On va tout remettre. Panneau. Donc attendez. Appelez. Voilà. Attendez, attendez. Ben voilà, ben j'ai fait le con, je me suis trompé. Menu budget. Voilà. Au moins vous verrez. On va faire. Attendez. Ça on peut faire. Oui, ah, il le met au centre. Ok, bon, on changera ça après. Ouais, voilà. Ah, ça commence à me plaire. Hein. Ouais, bon, on va remettre de l'ordre dans tout ça après. Ne me tracassez pas. Horloge, icône de la liste des tâches. Oui. Alors, si on remet un peu d'ordre. Voilà. 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 Plus. Afficher le bouton d'accès au bureau. Hein, espacement, horloge, icône des tâches. Indicateur de statut, il y était. Voilà. Plus. Indicateur de verrouillage des touches. Liste des tâches. Ah, ça peut être pas mal ça. Non. Faire moins. Plus. Menu budget. Notif. Ouais. Notif. Séparateur. Zone de vérification système. Voilà. Alors maintenant, on remet de l'ordre dans tout ça. Donc on fait notif. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ah merde. Voilà, il y avait un petit bug là par contre. Voilà. Voilà. Centre. Liste de tâches. Ah oui, mais attendez un peu si j'ouvre ça. Ok, ça se met au centre. Donc je dois faire ceci. Ceci. Panneau. Voilà. Bon, je recommence ce que je voulais faire. Je voulais faire ceci. Ça. Panneau. Pas me tromper. Top. Voilà. Voilà. Ah, enfin. Alors. Panneau du haut. Panneau du bas. Plus. Ok, ouais, non, ça va. Je vais laisser comme ça.
au panneau du bas. Voilà. Bottom. Ok. Alors maintenant, je reviens. Là, on a vu. Voilà. Appeler. Donc, appeler. On voit le calendrier. Voilà. On voit le son qui me donne accès aux sorties, aux entrées. Les notifs. Yeah. Pas de nouvelles notifs. Ça, c'est quoi ça? C'est génial. Et si je fais ça, attendez, ça revient à un notif? Ah ouais, non. Ok. Alors, regardez. Voilà. Cancel, logout, restart, d'accord. Verrouiller. Et... c'est du Ubuntu, hein. Voilà, on va aller voir l'arrière-plan. Ah, arrière-plan, écran verrouillé. Qu'est-ce qu'il nous propose? On va remettre le même que l'autre pour voir. Yeah. Hey, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, on ne peut pas le mettre sur la gauche. Non, pour l'instant, c'est au bas. Joli, mais 500 quand même. Oui, mais voilà. Il n'est jamais, je préfère le dire. Je vous le... Attendez, tant que j'y suis, on va faire ceci. Attendez, j'ai un truc à vous dire là-dessus. Attendez, je vais... Voilà la première ligne. Gardez-les bien. Hop là. C'est celle-là qu'il vous faut. C'est Budgie Desktop. Et plus Perruche Desktop. Et alors, vous ferez un... donc, un sudo apt-get update. Voilà. Et... vous terminerez avec cette ligne. Une fois que c'est installé, vous n'êtes pas obligé de redémarrer. Vous vous déconnectez. Une fois que vous serez déconnecté et que vous serez sur votre écran de connexion, sélectionnez bien l'environnement Budgie Desktop. Ok. Oui, il est toujours en phase de test. Ça veut dire que les mecs, là, ils ont dit « Hey, Marc, regarde. Regarde notre environnement sur Ubuntu, comme il tourne quand même. C'est une première ébauche. » Ça veut dire qu'il n'est pas du tout optimisé. S'il y est, je peux me tromper. Bah alors, ils ont un peu raté. Ou alors, je serais curieux de voir tout ce qui tourne en arrière-plan. Bon, on va aller voir. On serait peut-être bien étonné. Mais je, voilà, c'est une première ébauche, donc il n'est pas du tout optimisé, hein, l'engin, là. Il faudrait, voilà, ce qu'il faut faire, c'est attendre qu'il sorte officiellement. Et s'il sort officiellement, ce sera sur la prochaine entre deux, donc la version 16.10. Voilà, faut voir. Côté en ligne, ben, il n'y a rien de différent, hein. Voilà, on est sur... mais il me botte bien, moi. Il me botte bien. Sur Ubuntu, hein. Virage d'écran activé, utilisation historique activée, voilà, on a vu tout ça tantôt, les notifs, hein. Non, il me botte bien. Encore peut-être quelques petites améliorations au niveau, voilà, mettre à gauche, à droite, si je fais clic droit, là, voilà, par exemple, j'ai rien, ok. Et, ouais, on va aller voir après dans le menu, chercher. Ça marche sur Emma Ubuntu 3 et ça marche sur Ubuntu. Alors, je vais te le dire franco. Test. À tester. Bah écoute, je vais te le dire direct. Attends.
Non, je pense pas. Jusque maintenant, il s'adapte. Voilà. Il s'adapte à la 16.04 ou la 15.10. Ou la 14.04. Hein. Donc, 14.04. Je vois beaucoup 14.04, 15.10, 16.4. Voilà, attention, il est nouveau, hein, donc à tester, mais je sais pas. Voir ce que ça donnerait, mais voilà, vous auriez, à mon avis, pas mal de soucis au niveau des entrées et menus. Donc ça veut dire, vous risqueriez de vous retrouver, genre, si vous cliquez là, avec un menu vide. Le menu s'affichera, mais il sera vide. Voilà, puisque les entrées logicielles ne correspondront peut-être pas. Bluetooth, clavier, couleur, écran, énergie, imprimante, réseau, son. Voilà. Détail. L'application par défaut. Mobile. Mais ce qu'on va faire. Utilisateur. Je vais un peu aller m'amuser avec le menu. J'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit menu-là. Déjà faire une petite recherche. Firefox. Voilà, il met un peu de temps à réagir, hein. Mais bon. Ouais. On va voir un peu ce qu'il y a. Enfin, ce qu'il y a, je sais, mais on va un peu s'amuser à le lancer. En tout cas, le thème Dark est uniforme. Il est présent partout. Hein. Ouais, ouais, ça, franchement, il peut tenir la route, ce petit environnement, sur Ubuntu. Ouais, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte qu'il soit. J'espère. Voilà. Maintenant, le boss de chez Can. Un petit problème ici. Mais voilà, je suis sous VM. Hein, faut voir. J'espère que les mecs, les développeurs de Budgie, ils vont pas faire les cons. Parce que le boss Mark a dit OK. On pourrait l'intégrer en tant que variante officielle. Donc, vous imaginez, tu es sur quoi? Moi, je suis sur Ubuntu Budgie. Ouais, cool. J'espère qu'ils vont pas faire les cons et qu'ils vont. Voilà, le deal, c'est vous me sortez deux bêtas. Hein? Donc, des bêtas, ça veut dire que ce sont des. Voilà, bêta 1, bêta 2. La bêta 2, c'est une bêta finale. Ça veut dire que quand on est en bêta finale, on est presque à une version finalisée. C'est ça qu'il veut voir, là, le boss Mark. Il voudrait bien voir l'engin quasi finalisé. S'ils arrivent à sortir ça pour avant la prochaine entre-deux, il a dit qu'il intégrerait peut-être que. Mais il intégrerait comme variante officielle, donc elle ferait son apparition, à mon avis, pour la 16.10. Ça veut dire que les mecs, ils ont 6 mois à partir de maintenant pour peaufiner tout. Mais déjà là, franchement, je suis étonné. Ça tourne pas mal du tout. Regardez, les animations sont sympas. Et ouais, on a le mode snap. Et on a le mode snap. Oui. Donc, alors je vais essayer d'utiliser Alt-Tab. Ah voilà, ici on n'a pas de preview, on passe d'une application à l'autre. Ben voilà, maintenant on s'en fout un peu quoi, mais dommage aussi qu'on ne peut pas. Ah ben oui, on a les espaces de travail, et on a une petite animation et tout, hein, putain, ouais, je suis étonné. Il a vachement changé, moi je l'ai testé sous Solus OS, mais il a vachement changé. Ouais, 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 il a vachement changé. Ce qu'on peut peut-être faire maintenant, c'est aller voir. Déjà ça aussi, attendez.
Ok, ça tourne bien. Donc il affiche déjà bien les pilotes additionnels. Disque, petite astuce, n'oubliez pas, vous pouvez activer le cache en écriture. Donc ici, paramètres du disque, cache en écriture, l'activer. Attention, risque de perte de données alors, s'il y a une panne de courant par exemple, mais seulement en activant le cache en écriture, bah, qui dit cache activé, dit amélioration des performances au niveau, bah, au niveau de l'écriture. Et regardez, voilà, comme sous Cinnamon, les fenêtres contextuelles, les fenêtres de menu, je sais plus ça porte un nom. Enfin, elles suivent la fenêtre principale. C'est pas mal. Eh, hey, on a le logiciel qui est là, ben oui. Ah, on va voir s'il tourne bien le logiciel. Faire comme tantôt, installer VLC. Voilà, installation 1. On le voit, regardez. Ah, ça j'aime pas, voilà, c'est en blanc. Ben non, ça va pas. Ben bon, il est pardonné. C'est le petit nouveau. Un petit H-top pour voir ce qui se passe. 622. Il swap toujours pas. La Logitech ne snap pas là. Normalement c'est bon. Yeah, nous avons VLC. Est-ce que je peux déplacer? Oui, je peux déplacer d'un environnement, d'un bureau virtuel à l'autre. Pas mal. Il me botte bien. Il y a juste un truc qui m'épate, c'est... Attendez. Qui m'étonne. Ah voilà, c'est lui que je cherchais. Et ça, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime encore bien moi cette façon de faire là. Par contre. Ah. 3, ça tu me tires ça. Processus 3, c'est bon. Ressources 1, 5, nickel. C'est les paramètres que j'utilise. C'est nickel. Ce qu'on va faire, donc je vous montre quand même. On va faire, attendez, je teste. Ah ouais, donc le réseau. Information, voilà, comme ça vous verrez tout. Le son. Les notifs. Ah voilà, si. Ok, si on clique sur le... Donc là, on a accès, c'est l'appel réseau. Là, l'appel son. Vous voyez, je suis tout de suite dans le son. Là, rien. Mais là, je suis tout de suite dans, la... dans les notifs. Ok, là, le calendrier. Ah, ah non, il n'y a rien. Ok. Je vais essayer nouveau dossier. Donc là, garder aligné ou pas. Garder aligné, super. Tout fonctionne bien.
réseau, voir ça fonctionne. Je vais me promener dans ben ça c'est mon serveur FTP. On va voir. Voilà, splendide. Splendide, splendide, splendide. Voilà, splendide. Ah, j'étais dans. Voilà, musique libre de droit. Yeah. On va essayer de le lire. On va essayer de lire une musique. Donc, je suis sous VAM. Hein? Et part la carte réseau de ma machine hôte. J'accède à une machine sur mon réseau local qui est mon FTP. On va essayer de lire une musique. Magnifique. Oh! Le plantage! Ah ouais, ben voilà, ben ce sera la seule qu'il ait fait, mais je vois avorter. Mais voilà, phase de test. Et ben voilà! C'était Bajid, stop. Ben moi il me botte bien ce petit environnement de bureau. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à le peaufiner. N'y a plus qu'à la peaufiner. À peaufiner l'environnement de bureau. Et j'espère qu'ils vont. Les développeurs vont pas faire les cons, qu'ils vont bien nous peaufiner ça. Ça voilà, ben en fait c'est j'aime bien parce que ben voilà c'est on voit autre chose dans le paysage. Regardez donc ici, hein, ça va, hop, d'accord. Donc ce n'est jamais que la 1604 Unity sur laquelle j'ai greffé Budgie. C'est là que Unity ne veut plus démarrer. Voilà Unity. Ah, voyez, donc, bah ouais, donc c'est tout à fait logique. J'ai créé un icône sur le bureau. Bah voilà, il apparaît ici. Donc si je fais fermer, donc attendez un peu, ça je vais pas dire. Ok. Fermer la session. Je vais relancer un dernier htop. La surprise était très 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 bien. Eh ben tu sais quoi? Tu sais quoi? Elle était très 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 bien. Eh ben santé alors. Donc là, sur l'écran de connexion. Bajie desktop, BLA, BLATEURX. Et là, on va se lancer un dernier coup de htop. Donc, on va faire. Bon, si je fais htop, c'est bon.473. Et moi, j'avais mis. 477, ouais, bah regardez, ça se tient, quoi, c'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. Ok. Voilà, et ben là-dessus, on va faire ceci. Ceci. Shutdown.
bureau plus. Oula, qu'est-ce que je fais? Et voilà. Et j'espère que cette soirée-là, il vous aura plu. Il est quelle heure? Minuit 20. Voilà. Au départ, ma première... Voilà, ce que j'avais envie de faire, c'est vraiment la big soirée live. Je me dis, je vais présenter chacune des distributions comme je le faisais auparavant. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. Une heure et demie par distro. Non, non, non. J'imaginais le casier de panaché que je devrais avoir. Puis je me suis dit, non, tant pis, je pars sur une demi-heure. De toute façon, ceux qui me suivent, ils connaissent les distributions que je vais présenter. Mais je vais quand même les présenter suffisamment que pour s'il y avait un nouveau, ben, qu'ils se disent, ah, c'est pas mal. Voilà. J'espère que ce live vous aura plu. Moi, il m'a plu. Il m'a plu et j'ai pas eu soif pendant le live. Là-dessus, ben, moi, je vous dis à une prochaine. Et je ne sais pas ce que je présenterai la prochaine fois. Je verrai bien. Ben, là-dessus, puisque la surprise vous a plu, eh ben, on va partir sur ceci.